Hello tout le monde, c'est Laurine, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing particulière, vous allez voir. Ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà de quoi il s'agit, puisque je vous ai teasé il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, le grand jour est arrivé. Et ça me fait très bizarre, d'habitude je ne fais pas ce type d'unboxing comme ça en vidéo, mais là il fallait qu'on le fasse pour celle-là. Vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne vais pas le dire, mais on va ouvrir ça ensemble. Et je vous promets que c'est du lourd. J'ai déjà les larmes aux yeux, en vrai. Et il y a des chances que je tremble. Là, ça va encore pour l'instant. Mais c'est quelque chose que j'attendais, que je cherchais depuis un moment. Ouvrons cette enveloppe. Avant que je sois prise par l'émotion et que j'oublie complètement de faire mon travail, je vous invite à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne, vous le savez. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on va ouvrir ça. Il y a un joli petit cœur là. C'est trop mignon. Ça va bien avec ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, ceux qui n'ont pas vu mes stories Insta, pour quel type de carte je peux filmer un unboxing comme ça? C'est pour une carte qui en vaut la peine, ça c'est moi qui vous le dis. Alors, on va la sortir de cette enveloppe. J'arrive même pas encore à y croire que c'est cette carte que je vais ouvrir. Donc voilà le petit emballage, très mignon. Merci. Merci à la personne surtout qui me l'a vendu. Je commence à trembler, les gars. Je commence à trembler. Oh, il y a des petits fruits. Oh là là, je viens de l'avoir. Oh putain! Oh, ce jour est arrivé! Ce jour est arrivé, mesdames et messieurs. Je vous montre juste le bac. Un instant. On va regarder les freebies. Je sais que c'est ça que vous attendez avec impatience. Il va falloir que moi, je respire un peu. Comme d'hab, on a toujours des petits freebies très mignons. C'est rare que des gens n'en mettent pas. En vrai, je referai cet unboxing sur TikTok, mais du coup on a des petits trucs comme ça. Voilà. On a aussi des petits stickers comme ça que je connais, je les avais aussi. C'est marrant, on s'en renvoie tous les mêmes stickers, c'est très drôle. Il y a les petits lapins comme ça, voilà. Et un petit nounours comme ça. Vous vous demandez peut-être comment je fais après pour refaire les unboxings. En vrai, je remets juste dans l'enveloppe et je fais comme si de rien n'était. J'espère que la PC te plaît. Oui, la PC me plaît énormément. Je crois toujours pas que je l'ai entre mes mains. Mesdames et messieurs, stay. On vit un jour exceptionnel aujourd'hui. Pour moi, en tout cas. Puisque aujourd'hui, j'ai complété ma collection de photocards inclusion de Chan pour les albums coréens en ayant pu me procurer la dernière carte qui me manque, à savoir une I Am You, mais pas n'importe laquelle, vous le savez, j'en suis sûre. On va l'extirper. Ce jour est arrivé, les gars. J'ai les larmes aux yeux, les gars, j'ai les larmes aux yeux. La I Am You Limited de Chan. Thanks God. Oh mon Dieu, elle est tellement belle.
dans un état impeccable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les gars. Est-ce que je la sors? Et je tremble beaucoup là. Oh, le coup, je tremble beaucoup. Je sais que vous voyez pas très bien à cause de la, des ring lights en général parce que ça se reflète, mais. Cette photocard est dingue. Et c'était la dernière qui me manquait. On va aller la ranger dans le classeur. Cette petite beauté, ce petit trésor, cette dinguerie. On va aller la ranger dans son dernier slot. J'ai l'impression de vivre un moment solennel. C'est très étrange comme sensation. Du coup, là pour le coup, c'est Élise qui m'a trouvé cette pépite. Je remercie encore Élise du fond du cœur. Elle est là. Vous voyez pas? Là. Là, sa place est là. Ah, je vais vous mettre là, vous verrez. Comme quoi, des fois, il faut pas désespérer, il faut attendre le bon prix. Et je l'ai trouvé. Et ça y est, les gars, vous allez vivre ça avec moi. Oh là là, ça y est, j'ai complété toute ma collection de photocards de Chan pour les albums coréens de Stray Kids. Je compte pas les unités parce qu'il m'en manque et tout, mais j'ai enfin la dernière limited qui me cassait les bonbons. Voilà, j'ai tout pour Chan. Je vous referai une vidéo où je vous montrerai ma collection de Chan. Je sais que vous allez me le demander en commentaire. Je la referai. Peut-être que je ferai un live où je vous présente tout ça quand je resleeve mon entière collection avec mes nouvelles sleeves, sachant que j'en ai encore acheté pour resleeve toutes mes collections. Donc, vous allez la revoir. Mais voilà, je voulais vous filmer cette vidéo parce que vraiment, c'était une carte que je ne pensais jamais, au grand jamais, avoir. Je pensais vraiment que c'était une carte que je ne trouverais jamais. Et comme quoi, je l'ai aujourd'hui. J'ai complété ma collection, je le répète, j'ai complété ma collection de Bang Chan, de PC, d'albums coréens. Je les ai toutes. Voilà, c'est vraiment une toute petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même, qu'on vive ce moment ensemble. Si c'est le cas, comme dit, le pouce, ça aide énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et aussi, eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous pensez de la carte. Est-ce que vous la trouvez jolie? Moi, je la trouve vraiment très très belle. Si jamais vous voulez voir les lives que je peux faire de temps en temps quand je resleeve ou quand je complète mes collections, ça se passe sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En plus, c'est ma petite boutique de fanmade sur Instagram, donc vraiment, c'est l'endroit où il faut me suivre. Et quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez me regarder. Ciao tout le monde, à bientôt. You've been on my way since day one. I wait every day since summer.